Très chers amis de Léo Ndioléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Nous sommes retrouvés une fois de plus pour parler de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Vous et moi, nous le savons tous que le mercredi dernier, les trois juges constitutionnels ont prêté leur serment devant le président de la République, au Parlement, disons, malheureusement à l'absence de certains députés et sénateurs et surtout les présidents des deux chambres du Parlement. Entre-temps, un groupe de députés avait saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 158 de la Constitution. Malgré tout, il y a eu cérémonie et ce que nous sommes en train de nous poser comme question, quelles peuvent être les conséquences sur le plan politique et pourquoi pas sur le plan juridique. Nous allons également évoquer au cours de cette émission le discours à la nation que le président de la République, l'adresse à la nation, disons, que le président de la République a prévu pour ce vendredi. À quoi doit-on s'attendre à ce discours? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui le professeur Patrick Mende. Il est constitutionnaliste et enseignant à l'Université de Kinshasa, à qui nous disons bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Professeur d'entrée de jeu, vous avez suivi ensemble avec nous la cérémonie de la prestation des serments des trois juges constitutionnels. Malgré les contestations du FCC, malgré l'inconstitutionnalité des ordonnances du chef de l'État, en croire une certaine opinion. Donnez-nous d'abord la lecture que vous avez faite de cette cérémonie. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Tout le monde avait suivi avec intérêt, je pense, la cérémonie de prestation des serments hier par les trois juges de la Cour constitutionnelle qui ont reçu, bien entendu, acte du président de la République de suite de cette prestation de serment. Comme vous veniez de l'évoquer, il s'est observé, bien entendu, l'absence de certains corps constitués, dont notamment la présidente de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, ainsi que le Premier ministre, sans oublier, bien entendu, certains membres du gouvernement. Et que la lecture que l'on peut faire, c'est que c'est une prestation de serment qui s'est déroulée dans un contexte malheureusement malsain. Malsain parce que tous ces gens que nous venions d'énumérer ici devraient en principe prendre part. Et qu'à l'absence de ces gens, il se pose un petit souci. Et quant à la... on ne peut pas parler de la légitimité de cette prestation de serment, mais ça pose des problèmes sur le plan politique. Donc d'un point de vue de la forme, les décors n'avaient pas été bien plantés et les conséquences politiques peuvent aussi être au rendez-vous, les conséquences qu'on ne peut pas prédire. D'autant plus que vous me recevez ici en qualité d'enseignant de droit et non en qualité de politicien. Voilà, vous l'avez évoqué vous également, l'absence de certains corps constitués, entre autres le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et un bon nombre des parlementaires. Comment peut s'organiser la prestation des serments de juges constitutionnels? Est-ce qu'à l'absence de ces corps constitués, on peut parler de la légitimité de la cérémonie? Voilà, le siège de la matière en ce qui concerne la prestation des serments des membres de la Cour constitutionnelle se trouve être l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette loi voudrait dire que
les membres de la Cour constitutionnelle qui prêtent serment soient présentés devant la nation, à présence du président de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil supérieur de la magistrature qui est représenté par son bureau. Et il s'est fait que lors de la prestation de serment hier, l'on n'a pas constaté la présence de l'Assemblée nationale et du Sénat, du moins par rapport au bureau et aussi par rapport aux autres députés nationaux et sénateurs qui appartiennent à, au FCC, qui semble être la plateforme majoritaire à cette institution parlement. Et que donc, est-ce que c'est légitime qu'il y ait une prestation de serment faite dans ces conditions soit légale? À mon sens, oui, c'est une prestation légale. D'autant plus que personne, d'abord personne, personne n'avait interdit à ces députés de venir et à ces sénateurs de venir. La question peut-être est orientée autrement. Autrement, à ce qu'il s'agit des alliances qui ont été faites, qui peut-être n'ont pas été respectées par un camp. Raison pour laquelle, pour manifester le ras-le-bol par rapport au non-respect des engagements politiques pris, les autres ont choisi la voie de l'exercice de ce que l'on qualifie de la chaise vide. Et que donc, c'est aussi un droit en démocratie de s'abstenir et à faire quelque chose. Donc, mais cela n'enlève pas le caractère légal et solennel de la prestation de serment. Oui. Maintenant, nous avons constaté l'absence de ces corps constitués. Vous avez évoqué la coalition. Maintenant, étant donné que c'est le FCC qui est majoritaire au Parlement, le FCC majoritaire au gouvernement, le FCC a boycotté la cérémonie, quel crédit peut-on donner à ces juges qui venaient d'être intronisés, si on peut dire? Bon, le crédit, je ne sais pas, c'est peut-être une question qui ne relève pas du droit, parce que ces juges-là ont été nommés par une autorité habilitée à le faire, quoique cette nomination avait posé un problème de la constitutionnalité. Alors, ces juges ont été nommés dans des conditions que nous avons autrefois décriées. Et tout simplement parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles relatives à la nomination des juges constitutionnels qui ont été énervés à son temps. Et que peut-être c'est sous cet angle que vous pouvez trouver un peu de l'illégitimité de ces juges au moment de leur prestation de serment, parce que le départ avait été mal perçu d'un point de vue constitutionnel. Qu'en est-il de la suite? C'est là le problème. Et que nous, au jour d'aujourd'hui, l'on peut parler d'un petit souci, peut-être de légitimité des juges nommés dans des conditions que tout juriste avisé, toute personne avisée peut décrier. Et pour le reste, les juges, ils sont là. Ils vont commencer à faire leur travail. Ils sont bénéficiaires, bien entendu, d'une ordonnance. Ils ont prêté serment devant le président de la République qui leur avait donné acte.
et que pour le reste, je pense, c'est un débat qui ne relève pas du droit, mais plutôt de la politique. Voilà, justement, il y a un groupe de sénateurs qui avait saisi, à la veille d'ailleurs, de cette cérémonie, la Cour constitutionnelle, en interprétation de l'article 158 de la Constitution, justement cet article qui évoque notamment la nomination des juges constitutionnels et consorts, quelle est la procédure. Est-ce que, la plus grande question que nous allons nous poser, est-ce que cette saisine de la Cour constitutionnelle peut être suspensive de la procédure? Malheureusement, il n'y a pas eu... le train a continué à rouler. Qu'est-ce qui va venir après? Est-ce que, au cas où la Cour constitutionnelle traiter ce dossier, on pourrait revenir en arrière? Oui, voilà. La saisine de la Cour constitutionnelle à cette matière n'est pas suspensive de l'exécution de l'ordonnance présidentielle qui avait été prise à son temps. Et que on ne pouvait même pas imaginer un seul instant que tout simplement parce que l'on a saisi la Cour, que le président de la République devait arrêter le processus de la prestation de serment des juges que lui-même a nommés dans une ordonnance aujourd'hui contestée. Je peux vous dire que dans un État démocratique, dans un État de droit, toutes les questions qui fâchent sont orientées vers un juge. En l'occurrence ici, c'est le juge constitutionnel qui a été saisi pour que ce dernier puisse donner son entendement. Mieux, l'entendement du constituant en mettant sur pied les dispositions de l'article 158 de la Constitution. C'est à ces juges de donner l'économie générale de cette disposition, la portée de cette disposition. Et lorsque le juge est saisi, il est obligé de donner suite, de vider sa saisine en prenant bien entendu une décision. Et cette décision, sous peine que ces juges commettent ce qu'on appelle les dénis de justice, ces juges sont appelés à se prononcer quant à ces. Mais la difficulté technique est sur laquelle, c'est que à certaines matières, dont par exemple l'interprétation de la Constitution, la conformité à la Constitution des lois, c'est-à-dire le recours à ce qu'on appelle les contrôles de constitutionnalité, les juges doivent être, si c'est moins, assédés à terme de quorum. Alors, l'ordonnance dont aurait mis en cause la nomination des juges, ces juges, au risque d'être juge et parti, ne peuvent pas faire part des délibérés. Parce que ce sont eux qui sont concernés. Et que, au regard des lois de la République, ces juges, la Cour ne peut pas se prononcer à 6. C'est toute la question. Donc, c'est une question qui, d'un point de vue pratique, ne trouvera pas des solutions, parce que l'on n'acceptera pas que les juges mis en cause soient lui-même les juges qui délibèrent sur sa propre cause. Et on n'acceptera pas non plus que le quorum ne soit pas atteint. Le quorum ne soit pas atteint. Donc, le quorum doit être. La question du quorum est primordiale, elle est même préalable. Et comme le quorum ne sera pas atteint, il n'y aura pas possibilité pour la Cour de se prononcer
quant à C. Mais vous, vous êtes constitutionnaliste, c'est une matière purement constitutionnelle. Vous, en tant que constitutionnaliste, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question, cet imbroglio? Moi, je l'appelle imbroglio parce que ça nous met dans une confusion sans précédent. Tantôt, les trois juges qui doivent siéger, ils sont concernés par la matière. Tantôt, s'ils ne sont pas là, le quorum n'est pas atteint. Vous, en tant que constitutionnaliste, qu'est-ce que vous pouvez préconiser? Non, non. Les constitutionnalistes congolais doivent se baser sur les normes positives posées au Congo. Et que l'on puise toutes ces normes-là dans la Constitution, dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dans les règlements intérieurs de la Cour, c'est dans l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo. Et à mon humble avis, cette question n'a pas été prise en charge par, non seulement par les constituants, mais également par les législateurs. Donc, nous sommes obligés de voir, même ailleurs, en France, les conseils constitutionnels français, aillent à connaître des affaires comme ça, qui n'ont jamais eu de suite pour des raisons évidentes, comme celle-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu difficile pour vous d'accepter que les juges aient mis en cause délibère sur sa propre cause. C'est aussi difficile pour vous d'accepter que les quorums ne soient pas atteints pour délibérer sur une question. Donc ce sont là les évidences qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de compter avec ce qui est là. Comme la matière n'est pas vidée par la loi, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire recours à d'autres sources? Bon, la seule source, c'est qu'il faut faire recours parce que notre cour constitutionnelle a eu aussi à connaître un cas pareil. Peut-être que ça, il appartiendrait parce que cette jurisprudence-là avait été décriée à son temps lors de l'interprétation où l'on a connu même des opinions dissidentes de certains juges et qui ont fini par démissionner. Il y a une jurisprudence où les cinq juges avaient pris part au délibéré d'une question soumise à cette haute juridiction. Mais est-ce qu'il faut continuer avec une jurisprudence aussi malheureuse que celle-là? Je ne sais pas. Mais à mon humble avis, c'est quelque chose qui est fait, que l'on doit constater et faire avec. Venons-en maintenant, professeur, aux conséquences de cette situation. J'avais dit en début de cette émission, nous allons voir les conséquences sur le plan juridique ainsi que les conséquences sur le plan politique. Bien sûr, vous n'êtes pas, vous n'intervenez pas ici en tant que politique, mais en tant que scientifique, vous pouvez également émettre un point de vue. Mais venons-en d'abord aux conséquences juridiques. Quelles sont les conséquences juridiques qui peuvent advenir avec tout ce qui vient de se passer? Bon, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune conséquence juridique, à mon humble avis. À ce sens, c'est que les juges ont été nommés. Lorsque l'on est nommé, on attend à ce que vous puissiez exercer les fonctions pour lesquelles vous avez été nommé. Et pour exercer les fonctions de juge à la Cour constitutionnelle, vous devez prêter serment. Et qu'au jour d'aujourd'hui, la prestation de serment avait déjà eu lieu, on attend ces juges faire le travail pour lequel ils sont appelés à faire au nom de la République. Donc, je ne vois pas particulièrement des conséquences juridiques par rapport à la prestation de serment d'hier, qui n'est que l'aboutissement des processus. Voilà. S'il n'y a pas de conséquences juridiques, les conséquences politiques, il y en aura quand même. Ça, c'est d'un point de vue, oui, d'un point de vue politique, et si vous avez vu l'abstraction faite par les camps FCC, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore eu aujourd'hui un juge indépendant
un juge. Donc les systèmes politiques dans lesquels évoluent les juges ne permettent pas à ce qu'il y ait indépendance des juges. C'est comme ça, les décans sont en train de se disputer la cour constitutionnelle. Même ceux qui sont entrés là sont, ont donc, aussi une tendance. Non, je ne parlais pas de ceux qui sont entrés. Il vous souviendra que l'argument utilisé aujourd'hui, c'est que l'autre aurait mis de côté les juges qui seraient pro un camp politique pour mettre en place des juges qui lui seraient favorables. Donc, c'est un problème de l'indépendance du juge, un problème du système politique dans lequel évoluent les juges qui se posent aujourd'hui. Toutes ces disputes que vous voyez là sont autour de qui doit contrôler la Cour constitutionnelle. Or, cette Cour, en principe, de par sa conception, devrait être une Cour indépendante qui doit trancher en âme et conscience tout en ayant en tête la République est comme la seule chose que nous avons à commun. Voilà. Sur le plan politique, nous continuons, professeur, il y a, d'ailleurs, ça sera, nous allons directement entrer à l'autre sujet, les conséquences politiques nous amènent à un autre sujet. Le président de la République va s'adresser demain, il va prononcer un discours ce vendredi, disons, sur, bon, je ne sais pas si je peux appeler ça comment, parce que le président de la République se prononce tout en respectant la Constitution. Les moments où le président de la République peut se prononcer, mais cette sortie du président de la République, ça cache quoi? Non, le président de la République est comme garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, peut s'adresser à sa nation aussi longtemps que se présente le besoin. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut arrêter au président de la République de se de communiquer avec sa population. Ça c'est de un de deux. On a du mal au jour d'aujourd'hui de savoir quel est le sujet que le président de la République doit aborder dans sa communication. Je pense que l'on doit prendre notre mal à patience pour attendre cette communication, bien que ça saute aux yeux que la question relative à l'absence des corps constitués lors de la cérémonie de prestation de serment présidée par le président de la République, le numéro 1 des institutions, ne va pas manquer, ainsi que d'autres questions, bien entendu, de la vie nationale et dont notamment la sécurité à l'Est, et ainsi de suite. Et puis voilà. Parlant notamment de cette absence des corps constitués, d'autres personnes, une certaine opinion, estiment que c'est au cours de ce discours que le président va procéder à la dissolution du Parlement. Est-ce que vous en êtes sûr? Non, non, je ne sais pas entrer dans le langage de tout le monde. C'est tout le monde, mais si tout le monde peut se permettre de penser même des choses que Jésus-Christ est en train de penser sur ses enfants. Moi, je dois rester dans les faits qui sont là. Le président de la République n'a pas, à mon humble avis, les loisirs de dissoudre le Parlement quand il veut, l'Assemblée nationale, bien entendu. Il y a des conditions pour se faire. Et que s'il y a des gens qui attendent à ce que l'Assemblée nationale soit dissoute demain, au cours de l'annonce ou de cette adresse du président de la République à la nation, je ne sais pas. Il va le faire et pourquoi, je ne sais pas. Donc, toutes ces raisons, est-ce qu'il s'est assuré de la réunion des conditions
pour la dissolution, je ne sais pas, à mon humble avis, je n'ai pas encore revu une crise persistante entre l'Assemblée nationale et les gouvernements qui en est son émanation. Pour que l'on puisse envisager un tel scénario. Mais si cela arrivait, comme nous sommes en République démocratique du Congo, nous avons une histoire constitutionnelle de notre pays où vous avez par exemple à 60, alors que Kasavubu n'avait aucun pouvoir constitutionnel de mettre le premier ministre, il a osé le faire et il l'a fait. C'est-à-dire que nous sommes un pays où ce sont les choses et les antivaleurs qui prennent souvent le dessus. Et nous prenons pour exemple ce qui n'est pas à considérer comme exemple. Et voilà, donc c'est ça, c'est la perdition. Mais nous osons croire que le président de la République, qui jouit de toute la bonne foi, doit annoncer des bonnes choses à sa nation et non des choses qui peuvent de plus en plus avenimer la situation. D'autant plus que le peuple, jusqu'ici, n'a pas encore trouvé son compte. Voilà. Dans tout ce qui est dit, le peuple n'a pas encore trouvé son compte. L'on ne s'attarde pas à des questions qui relèvent de soulagement de la population, mais tout le monde aujourd'hui est manifestement focalisé vers des questions institutionnelles, des questions de positionnement individuel, et tout le monde met de côté un peu l'intérêt supérieur de la nation, alors que la dernière sortie médiatique du président de la République, il a déclaré que le salut public serait la loi suprême. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il faut attendre par les saluts publics? Est-ce que ce sont des querelles entre les acteurs politiques ou alors la recherche du bien-être de la population? C'est toute la question. Mm-hmm. Et peut-être cette fois-ci ou jamais, le président de la République va nous montrer que non, voilà comment je compte soulager la souffrance de mon peuple. Voilà, vous n'êtes pas dans le secret du président de la République. Vous avez dit que vous n'entrevoyez pas une dissolution du Parlement. Mais en croire une certaine opinion, il y a une crise persistante et que le président de la République avait tous les éléments pour dissoudre les parlements. J'aimerais que nous puissions nous attarder un tout petit peu sur cette question pour expliquer, très bien expliquer à l'opinion publique. Comment on peut se faire? Quelle est la procédure pour procéder à la dissolution du Parlement? Non, la procédure constitutionnelle pour la dissolution du Parlement. Le pouvoir n'est pas un pouvoir quelque peu divin que le président de la République a. Non. Le président de la République, pour dissoudre le Parlement, doit arriver à constater que depuis un certain temps, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, le gouvernement et l'Assemblée nationale ne marchent plus de pair. Il y a une crise persistante qui, au-delà de toute la bonne volonté que les uns et les autres peuvent avoir, la seule solution serait de dissoudre. Mmh. Et pour le faire, il a besoin de la signature, bien entendu, du premier ministre. Mmh. Vous comprenez? Oui. Et que de ce point de vue, je ne vois pas, au jour d'aujourd'hui, la réunion de ces ingrédients pour envisager quelconque dissolution sans entrevoir une certaine violation, encore une fois de plus,
de la Constitution. Donc on ne parle pas là d'une crise entre le président de la République et l'Assemblée nationale, mais une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Au nom du droit positif congolais, les constituants congolais n'a pas attendu quelconque crise pouvant amener à la dissolution de l'Assemblée nationale sans celle qui existerait entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Donc, il peut y avoir aujourd'hui par impossible l'agression du président du Sénat ou de la présidente de l'Assemblée nationale au président de la République, ou alors des escalades que l'on a toujours observées ici entre l'institution parlement et avec l'institution président de la République. Donc, notre Constitution n'avait pas prévu cette solution-là. Donc, cela ne relève que des humeurs des gens. Or, la République n'est pas gérée par des humeurs. La République se gère par des règles et des valeurs républicaines. Donc, il n'y a pas ces mécanismes-là constitutionnels. Il n'y a pas ces mécanismes constitutionnels. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission. Professeur Patrick Mende, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la crise entre le FCC et le CACH, la prestation des serments, d'abord leur nomination qui ne respecterait pas certaines dispositions de la Constitution, leur prestation des serments à l'absence du FCC. Je ne parle pas du FCC, des membres du FCC qui sont au gouvernement et au Parlement. Cette crise, au cas où on arrivait jusqu'à l'extrême, peut-être à la dissolution du Parlement, qui en serait perdant? Est-ce le FCC? Est-ce le CACH? Est-ce la population? Est-ce le président de la République? Est-ce Joseph Kabila? Non, le plus grand perdant dans tout ça, c'est la population. Parce que la population devrait être au centre de toutes les préoccupations des acteurs politiques, du moins ceux qui ont la charge, la gestion de la res publica. Et donc, c'est la population qui est en pâtit. Et c'est comme qui dirait que lorsque des éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Et donc, c'est cette pauvre population-là qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas encore retrouvé son compte, et tout simplement parce que la République est toujours considérée par les acteurs politiques comme étant une vache à mamelle, où chacun cherche à avoir à son tour pour aller pincer et se trouver de la santé du lait. Professeur Patrick Mende, nous sommes arrivés à la fin de notre échange d'aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'avant qu'on puisse clôturer définitivement notre émission, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que je voudrais que la politique soit comprise dans son sens le plus étymologique, qui voudrait que la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Et lorsqu'on gouverne la cité, on la gouverne avec cette vocation de mettre au centre des préoccupations les gouvernés. Et que les gouvernants doivent beaucoup plus se mettre dans la peau des serviteurs. Et que en ayant ça comme boussole, l'on n'assisterait pas à ces genres de querelles que nous assistons aujourd'hui. Donc, ces spectacles quelque peu désolants où vous voyez les gens véritablement sont engagés
à se positionner, à parler de leur devenir politique au lieu du devenir de la population. Voilà. Avant de terminer, plusieurs internautes, parce que je rappelle que c'est la deuxième fois que nous puissions vous avoir dans notre émission, plusieurs internautes qui vous avaient suivi avaient préconisé, avaient sollicité que nous puissions venir à vous. À chaque fois, il y a des questions constitutionnelles au regard de la matière que vous avez donnée l'autre fois. Je crois que vous allez toujours exaucer le vouloir de ces internautes qui vous ont suivi avec beaucoup d'attention. Vous m'avez présenté comme enseignant de droit. Oui. Et comme tel, nous avons le devoir sociétal d'éclairer l'opinion lorsque le besoin se fait sentir. Uh-huh. Et que pour ne pas décevoir les internautes qui nous suivent, nous disons que nos portes vont rester ouvertes chaque fois que vous auriez besoin de nous. Donc nous sommes très disposés à échanger sur les questions des droits constitutionnels qui se posent dans notre société. Merci. Là, je crois que tous ceux qui nous ont écrit depuis la diaspora ont suivi la réponse du professeur Patrick Mende. Je rappelle qu'il est enseignant à l'Université de Kinshasa et spécialiste en droit constitutionnel. Donc, à chaque fois qu'il va se poser un besoin sur les questions constitutionnelles, nous allons toujours faire recours à son expertise. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à Thierry Batondoko qui était derrière la caméra, Exaucé Odinga Russell et Enga pour la partie technique, sans oublier Odon Boulamba depuis la Nouvelle-Zélande qui est la cheville ouvrière de Léo Ndoléo. Et surtout vous, chers internautes, continuez à vous abonner massivement à la chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de nos émissions. Vous et moi, on se retrouve à la prochaine.